Bien, alors, c'est un document qui n'est pas très gros, hein, mais qui décrit une partie des mécanismes de d'attente multiple en C. Alors le problème, c'est que c'est comme d'habitude, disons, en C. Bon, le mécanisme est un petit peu plus compliqué puisque vous avez un contrôle a priori toujours plus fin. Et puis surtout, il y a beaucoup de mécanismes de type non bloquant en C. C'est pas tellement en C, évidemment, c'est surtout lié au système en fait. Et il y a divers types de systèmes, diverses versions de systèmes Unix. Et donc, dans chacun d'entre eux, vous voyez, il y a plein de familles, de sous-familles, etc. La branche de la famille des systèmes Unix, POSIX, etc., est relativement grande. Et donc, pour chacune de ces familles ou sous-familles, eh bien, il y a différents mécanismes qui ont pu être implantés ou réalisés pour obtenir de l'asynchronisme ou du non-bloquant. Donc, il est hors de question d'être exhaustif. Parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui n'existent que dans telle variante et sous-variante de système POSIX ou Unix. Et donc, même si c'est un mécanisme intéressant et riche qui a été implémenté, s'il n'existe que sur une famille que vous n'avez pas à votre disposition, ça ne sert à rien de le regarder. En tout cas, dans un premier temps. Donc là, c'est votre premier cours de programmation réseau, a priori. Après, peut-être que si c'était dans un cours de système avancé, on étudierait ça, on essaierait de faire un panorama exhaustif des mécanismes dans les systèmes Unix. Mais ce n'est pas un cours de système ici, et ce n'est pas non plus un cours de réseau, ce n'est pas un cours de réseau avancé, ce n'est pas un cours de système avancé. Donc je vais me contenter de quelques mécanismes de base qu'on retrouve partout. Voilà. Il y en a deux en fait que je vais regarder. Donc le problème de l'attente multiple, on en a déjà causé, évidemment, pour le non-bloquant en Java. Je crois d'ailleurs que le titre qui était employé pour Java, c'était le titre du cours. En l'occurrence, c'était plutôt les entrées-sorties non-bloquantes en Java. J'aurais dû intituler celui-ci les entrées-sorties non-bloquantes en C. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Bon, bah, le problème, hein, c'est toujours le même. J'insiste, au cas où vous ayez déjà perdu la mémoire depuis la semaine dernière, ou que vous ne connaissiez pas ce problème, hein, mais vous avez une machine serveur qui souhaite écouter sur deux, enfin, qui souhaite écouter, oui, sur deux ports différents. Alors, peu importe ce qu'elle écoute, hein, mais vous avez deux entrées. Donc pareil, c'est toujours une discussion qui revient sur le tapis à chaque fois. Peut-être que vous êtes encore posé la question cette semaine, j'en sais rien. Je ne sais pas si vous rêvez de programmation réseau durant la semaine. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas deux serveurs si on a deux entrées différentes? Bah parce que parfois le coût d'écrire deux serveurs est trop important, ça veut dire maintenir deux codes. C'est pas forcément malin. Même du point de vue du système, c'est pas forcément malin d'avoir deux applications qui tournent. Pour lequel en fait les services sont quasiment les mêmes, vous avez quasiment la même version du service, mais qui est un peu différente selon que vous attaquez par un canal ou par l'autre, comme je l'ai déjà dit. L'autre truc, bah, c'est par exemple, ça m'a fait penser à ça ce matin, mais si j'essaie d'écrire un service comme Daytime, hein, ce matin le TP c'était, enfin, dans le TP6, il faut écrire un client Daytime TCP, puis un client Daytime en UDP. Alors, évidemment, naïvement, on va se dire, bah oui, bah, il y a un client TCP, il y a un client UDP, bah, il doit y avoir un serveur TCP Daytime et un serveur UDP Daytime. Bah, c'est pas obligé, hein, parce que qu'est-ce qu'ils font les deux serveurs? Ils font la même chose, hein. En gros, dès qu'ils reçoivent une connexion entrante, qu'est-ce qu'ils renvoient? Ils renvoient la date et l'heure. Bon. Vous allez me dire, l'algorithme pour envoyer la date et l'heure, c'est pas un truc si compliqué qu'il soit nécessaire de faire une factorisation. Et bien sûr, ça peut être quelque chose de compliqué. Il ne faut jamais imaginer que les services sont toujours des services élémentaires. Ça peut être des choses compliquées. Donc, évidemment, je pourrais très bien avoir envie d'écrire un seul serveur, donc un seul code, une seule application qui tourne et qui répond aux deux à la fois, en TCP, en UDP.
C'est beaucoup plus malin. Après tout, pourquoi pas. Donc du coup, bien sûr, je suis réduit à mon problème. Mais comment est-ce que je fais? J'ai deux canaux d'entrée, il faut que je gère ça. Donc c'est de la tonte multiple, voilà. Vous avez des discussions sans fin hein, sur ces problèmes-là, partout sur Internet, si ça vous intéresse. Bon, ok. Les problèmes, vous savez bien, c'est que c'est pas évidemment pas facile de faire ça. Puisque même donc si vous êtes en mode bloquant, bien sûr vous avez le souci que si vous attendez sur SOC 1 en premier, peut-être qu'il n'arrivera jamais rien sur SOC 1, et donc forcément tout ce qui arrive sur SOC 2 est bloqué. Si vous inversez, bien sûr, vous avez le problème symétrique. Et puis en non-bloquant, vous dites ok, bah, j'ai toujours comme solution hein, de passer en mode non-bloquant. Donc je vous rappelle, hein, vous devez connaître ça probablement, mais vous avez une fonction de contrôle système de la famille Unix qui s'appelle FCNTL, qui permet de contrôler des tas de choses relatives aux attributs d'un descripteur de fichier. Donc en fait, peut-être vous n'avez pas conscience de ça, mais quand vous programmez en C, par exemple, et que vous manipulez des fichiers, vous pensez que vous faites du C et qu'il n'y a pas d'objet. En fait, de la programmation impérative, je vous explique ça, le C, c'est de la programmation, pas d'objet. Ben, bien sûr que si, en fait, quand vous utilisez ce genre de mécanisme, en fait, vous faites de l'objet sans le savoir. Parce que l'entier que vous récupérez quand vous faites un open, vous dites, ok, c'est un numéro, mais c'est un numéro de quoi? Ben, devinez, en fait, c'est un numéro d'un objet qui est caché dans le système. Et vous avez des fonctions pour accéder à cet objet. Et ces fonctions, elles prennent tout en paramètre, justement, le numéro d'objet. Hein. Quand vous faites FCNTL sur desk, bah, c'est la même chose hein, que si j'écrivais, si j'étais dans un monde objet où j'avais un vrai type file et que j'écrivais desk.fcntl de je sais pas quoi. C'est de l'objet. Et quand vous faites close, devinez ce que ça fait, ça supprime un objet. Open, ça crée un objet, et close, ça ferme l'objet file. Bon, donc en fait, c'est de l'objet. Donc ce que vous avez, c'est que derrière desk, ce simple entier dont vous pensez que c'est rien du tout, c'est pas du tout. Dans le système, il y a plein de structures de données attachées. Quelle est la position courante de la lecture, je sais pas quoi. Si c'est un descripteur de socket, quel genre de socket c'est? Est-ce qu'il y a un buffer d'entrée? Est-ce qu'il y a une file d'attente? Est-ce qu'il y a je sais pas quoi? Les opérations en cours, blablabla. Donc on peut vouloir modifier, évidemment, vous avez des fonctions pour utiliser cet objet de façon régulière. Les lire ou écrire dans un fichier, vous avez les méthodes standards pour lire ou écrire. Mais bien sûr, vous avez aussi des méthodes pour, non pas lire ou écrire, mais modifier le comportement de l'objet dans les futures opérations de lecture ou d'écriture. C'est comme le contenu d'un fichier, et puis les attributs du fichier, je sais pas, son propriétaire, ses droits d'accès, et autres joyeusetés de cet ordre-là qui sont attachées aux inodes. Là, c'est pareil, hein. Un inode, c'est un numéro. Puis vous avez toute une structure stat qui sont les attributs de cette inode. Et puis vous avez le contenu que vous manipulez avec Hydrate. Bah là, c'est pareil. Hein. Vous pouvez voir Desk comme si c'était un inode. Il a des attributs et que vous pouvez manipuler, entre autres, par FCNTL. Donc c'est File Control. Bon, ça devrait être FDCNTL pour File Descriptor Control. OK. Et donc évidemment, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un paramètre pour tous les objets d'entrée-sortie, qui permet de spécifier que les opérations, vous pouvez positionner en mode non-bloquant, ce qui signifie que la plupart des opérations que vous allez effectuer, notamment les opérations de lecture et d'écriture, mais pas seulement si ce sont des objets un peu plus compliqués comme les sockets par exemple, et ben elles seront non-bloquantes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que d'attendre que l'opération soit effectivement réalisée, parce que ça peut prendre un temps long, faire une lecture sur une socket, si vous êtes en mode bloquant, bah, il faut attendre que quelqu'un vous envoie des données. C'est pas parce que quelqu'un s'est connecté qu'il va vous envoyer des données. Et ça peut être ennuyeux, vous pouvez avoir envie de faire autre chose. Donc vous pouvez positionner votre objet de lecture et d'écriture dans le mode non bloquant. Ok? Donc là, comment est-ce que ça marche FCNTL? C'est certainement une fonction que vous avez déjà employée, je sais, mais j'insiste. Vous avez l'attribut qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, c'est l'attribut FL. Et puis, la valeur au nom de positionner la valeur de cet attribut-là, la valeur au nom de bloc, qui fait passer
cet objet de lecture-écriture dans le mode non bloquant. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça veut dire que toutes les opérations qui auparavant étaient bloquantes. Donc par exemple, read. Qu'est-ce que ça fait read? Normalement, read, c'est bloquant, et quand vous avez obtenu une lecture, ce que ça vous renvoie comme valeur, c'est la longueur de ce qui a pu être extrait. Alors, vous allez demander à lire 1000, bah, peut-être qu'avec 500, on vous dit ok, on vous renvoie les 500, on vous dit rien à 500. Ou alors moins 1 en cas d'erreur. Il faut que ce soit une erreur qui soit grave. Quand vous êtes en mode bloquant et que vous recevez moins 1, il y a peu de chances que ça remarche après. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Vous êtes en mode bloquant, vous faites read, on vous renvoie moins 1, le disque il a craché, je sais pas quoi, enfin il y a un truc, c'est pas la peine de réessayer à refaire un read derrière, ça marche pas. Il y a peu de chances que ça marche. Vous n'êtes pas encouragé à recommencer. Quand vous êtes en mode non bloquant, ça a le même effet, c'est-à-dire quand vous êtes en mode non bloquant, que l'opération ne peut pas être effectuée. Vous faites un read sur une socket et il n'y a rien à lire. Plutôt que d'attendre, le système vous rend la main. Donc vous ressortez de l'appel à read et read vous renvoie une valeur spéciale pour dire moins 1. Moins 1 qui signifie il y a une erreur. Mais cette fois, l'erreur n'est pas une erreur habituelle ou grave. C'est juste une erreur pour dire en fait, vous êtes en mode non bloquant, il n'y a rien à lire, je vous rends la main. Donc il vous renvoie moins 1 pour vous indiquer que c'est une erreur, mais il va vous spécifier le code de l'erreur, un code d'erreur particulier, d'accord? Donc il va vous positionner la variable errorno, hein, qui est une variable externe qui est contenue et disponible dans tous les processus de la famille Unix. Et cette variable errorno peut être testée pour vérifier si le symbole correspondant, ou la valeur correspondante, pardon, n'est pas égale à E again. Donc tous les symboles errorno commencent par E. Et donc again, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça veut dire que on vous encourage à recommencer cette opération plus tard. Elle n'a pas pu être faite maintenant, donc on vous dit en gros, recommencez. Pas forcément tout de suite, hein. Et ça vous dit que ce n'est pas une erreur définitive, c'est une erreur temporaire. Il n'y avait pas de données à lire, c'est une erreur temporaire, peut-être que tout à l'heure il y en aura, donc on vous encourage à le refaire en faisant E again. Donc on sait, c'est le grand standard, quand vous êtes en mode non bloquant, vous commencez par vérifier si c'est moins 1 et E again, qui n'est pas la même décision à prendre que si c'est moins 1 et différent de E again pour la valeur de error. Ok. Alors le problème, c'est qu'évidemment, hein, si vous passez les deux sockets ici en mode non bloquant, bien sûr ça marche, mais vous tombez dans le problème que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, d'un point de vue logique, votre application fonctionne bien. C'est non bloquant, vous arriverez bien à obtenir une entre guillemets une attente multiple, c'est-à-dire que vous n'allez pas bloquer les clients, mais vous allez utiliser un mécanisme qui est simplement de l'attente active. C'est-à-dire que si jamais personne n'envoie rien, ni sur SOC 1, ni sur SOC 2, c'est peut-être là que votre serveur va travailler le plus. Qui a priori un poil absurde. Parce qu'évidemment, il va travailler plus parce qu'il va passer son temps à vérifier est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur SOC 1, non. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur SOC 2, non. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur SOC 1, non. Sur SOC 2, non. Sur SOC 1. Et ça vous paraît pas grand-chose, mais évidemment, ça boucle à l'infini. Ça fait monter immédiatement la température de votre portable que vous ne pouvez plus laisser sur vos genoux. Alors, qu'est-ce qu'on a à disposition? Historiquement, en fait, sous Unix, la fonction système correspondante, c'est la fonction select. Donc en fait, Java, le select de Java s'est inspiré évidemment du select d'Unix parce que c'est un mécanisme vieux comme le monde Unix, ou presque. Il est arrivé tardivement dans Java, mais il est aussi arrivé un peu tardivement dans Unix. Hein. Unix est arrivé bien avant le monde des réseaux. Donc, c'est assez tardivement que Unix a inventé le réseau. Vous avez un appel système select et qui permet de faire quoi? C'est la même idée que le select de Java. C'est-à-dire que vous allez décrire un ensemble d'opérations que vous aimeriez bien faire. Donc en gros, hein, vous voulez faire des opérations sur des différents descripteurs. Vous avez deux sockets. Eh bien, vous allez fabriquer un ensemble qui dit « j'aimerais bien faire de la lecture sur ces deux sockets » ou de l'écriture sur ces deux sockets, ou je ne sais pas quoi. Comme dans Java. Vous allez faire un appel à select. Et select, il va bloquer jusqu'à ce que au moins une des opérations parmi toutes celles que vous avez demandées est possible. Et puis quand il vous rend la main, bien sûr, vous allez essayer de retrouver quelles sont les opérations possibles. Sauf que c'est un poil plus désagréable que en Java.
Ou en Java, vous avez une vraie notion d'ensemble, vous avez un itérateur sur l'ensemble, bon, ça va bien, ça se fait assez agréablement. En C, comme d'habitude, là, vous avez les mains pleines de cambouis et vous en avez même jusque sous les ongles, mais c'est comme ça. Donc, en fait, cet ensemble, c'est réduit à quoi sous Unix? Eh bien, l'ensemble, en fait, il va être décrit sous la forme d'un champ de bits, en gros, c'est ça l'idée. Donc, vous voulez attendre sur plusieurs descripteurs. Les descripteurs, ce sont des entiers. Eh bien, il va falloir positionner un bit en position i pour le descripteur i sur lequel vous voulez faire une opération. Aussi bête que ça. En gros, hein. Ceux qui connaissent les mécanismes internes du système diront que peut-être que j'exagère, mais c'est pas très grave. En tout cas, c'est ça l'idée. Alors, vous avez, si vous consultez le man de select, donc voilà le prototype de la fonction select, hein. Elle prend différents paramètres. Mais en gros, ce qui est d'abord important, c'est qu'il va falloir décrire cet ensemble. Hein. C'est comme en Java, où j'avais été obligé de décrire quel est l'ensemble des opérations que je veux ranger dans mon ensemble d'opérations. Je décris ça, quoi, cette structure de données. Donc, j'ai des fonctions pour manipuler ce qu'on appelle un FD7, un ensemble de descripteurs de fichiers. File descriptor 7. Okay. Donc, FD7, c'est un type de données, okay, à l'intérieur des cas que vous manipulez jamais directement, en fait, normalement. Enfin, plus maintenant. Et vous avez des fonctions pour le manipuler. Donc vous avez une fonction qui s'appelle fdclear et qui fait quoi? Alors je vais peut-être commencer par la première plutôt. Fd0 qui rend l'ensemble que vous passez en paramètre, enfin le réduit à l'ensemble vide. Okay. Ensuite vous avez des opérations pour ajouter un élément dans l'ensemble. Donc si vous voulez ajouter un descripteur dans l'ensemble, vous appelez FD7 en passant en premier paramètre le descripteur et puis en second paramètre l'ensemble dans lequel vous voulez le rajouter. Vous avez une opération pour enlever un élément de l'ensemble, FD clear. Donc vous donnez le descripteur que vous voulez enlever de l'ensemble. Et puis vous avez de quoi copier un ensemble dans un autre ensemble, donc faire des copies d'ensemble. Et puis vous avez de quoi tester si un descripteur est dans un ensemble ou non. Ok ? Donc les opérations ensemblistes. Ajouter un élément dans un ensemble, enlever un élément d'un ensemble, tester si un élément dans un ensemble, et vider, réduire l'ensemble à l'ensemble vide, et puis une opération de copie. Et puis vous avez l'appel select lui-même qui fait différentes choses, on va voir. Alors, select en fait ne marche pas que pour les sockets. Hein. Il marche pour tous les objets de type descripteur, qui supporte le mode non bloquant, évidemment. Ok ? Donc, bien sûr, nous, on va l'employer pour les sockets, mais ça marche très bien avec les tubes, qu'ils soient nommés ou non, donc les tubes anonymes ou pas. Les TTY, donc les objets système qui correspondent en fait à vos claviers, clavier écran. Il y a un mécanisme qui abstrait tout ça. Je crois qu'en général, en cours de système, on évite de vous parler des TTY, pourtant c'est intéressant, mais c'est pas grave. Et voir d'autres, évidemment, il peut y avoir d'autres objets communicants, d'autres objets de type descripteur, par exemple, qui supportent le mode non bloquant, bon, bah, select. Okay. Donc attention, quand on dit on peut attendre sur tout type de fichier, c'est au sens Unix du terme, c'est-à-dire que en fait, pour Unix, à peu près tout est fichier. Okay. Voilà. Donc. Bien sûr, ça n'est pas un appel spécifique au réseau, hein, même si la plupart du temps, c'est quand même en réseau qu'on utilise ça. On n'écrit plus trop des applications qui sont des tubes, c'est devenu assez rare, mais pourquoi pas. Hein. C'est une façon de faire du réseau sans réseau. Évidemment, ça ne fait que des communications dans le domaine du système lui-même. On ne sort pas du système lui-même, mais peu importe. Sinon, ça a la même, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va distinguer, en fait? On va distinguer, c'est ça qui fait... le nombre de paramètres un peu surprenant de select, surtout ces trois là, vous voyez qu'il y a trois ensembles FD7, il y a le FD7 pour les read, les FD7 pour les write et les FD7 pour les except. Alors ça c'est facile en fait, vous faites select parce que vous souhaitez attendre que qu'un ensemble d'opérations, parmi un ensemble d'ensembles d'opérations, certaines soient réalisables. Alors en fait on va les ranger en catégories. Il y a les opérations de lecture,
qui seront toutes décrites par la présence d'un descripteur dans l'ensemble des descripteurs où je veux faire une lecture. Vous avez l'ensemble des écritures, où en fait vous allez mettre là-dedans tous les descripteurs sur lesquels vous êtes intéressé pour recevoir une écriture. Et puis vous avez un troisième ensemble qui est déjà plus rare d'emploi. Pour l'instant on ne l'a jamais vu ces machins-là, mais qui permet d'attendre des conditions exceptionnelles, donc qui n'ont rien à voir ni avec les lectures ni les écritures. Dont l'usage le plus standard, c'est les données hors bande. J'ai pas parlé des données hors bande, j'hésite encore à vous parler de ça. C'est pas un truc très employé, même si dans la communication, dans les réseaux, c'est un concept important. La réalisation dans les couches TCP sont pas très intéressantes. C'est un peu pour. Les données hors bande, hein, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on appelle une communication hors bande, en fait? Il faut juste savoir ça. Bah, c'est typique de ce que j'ai décrit tout à l'heure dans l'échange entre les clients et les cafés. Vous savez, j'ai dit, bon, bah, il y a la conversation ordinaire. La conversation ordinaire, ça consiste à échanger des messages entre clients au comptoir du bistrot. Et puis, il y avait la possibilité, bah, de temps en temps, de faire des conversations privées, des choses un peu particulières. Et bien, bah, typiquement, là, quand j'ai dit le mode de conversation normal, c'est de parler au comptoir, et puis il y a un mode un peu privé, un peu bizarre de temps en temps qu'on peut faire, et bien la communication privée dont je viens de parler, c'est ça qu'on appelle une communication hors bande. Si on ne veut pas que les messages passent de façon ordinaire, on veut qu'ils passent par un second canal, d'une certaine manière, ben, pour faire des choses particulières. Ok ? Alors il y a plusieurs usages. Et le problème, c'est que, en fait, dans les implémentations TCP, les données hors bande ne sont pas réellement, enfin, les communications hors bande sont très limitées et correspondent plutôt, en fait, à ce qu'on appellerait des communications d'urgence. Donc, c'est pour ça qu'elles sont pas très employées comme véritablement communications hors bande. Alors, les données d'urgence, en fait, ça peut être très utile, hein. Vous êtes en train de faire un transfert de fichiers. Et donc, évidemment, il y a tout un volume de données qui transite sur le réseau, là, il concerne votre transfert de fichiers, c'est dans des tas de buffers un peu partout, donc là, vous avez plusieurs mégaoctets de données qui sont en train de transiter, et puis vous aimeriez bien annuler ce transfert de données. Alors, l'idée, c'est pas de faire naïvement, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, oh, bah, simplement, je vais envoyer un petit message spécial, quoi, de façon normale, pour dire, j'arrête là. Et ça permettrait simplement d'arrêter effectivement le transfert, mais ça suppose quoi? Ça veut dire que le récepteur, il ferait quoi? Il serait obligé de consommer tous les trucs qu'il n'avait pas encore consommés jusqu'à lire le truc pour dire qu'on annule le transfert. Donc non, ce qu'on a envie de faire passer, c'est une espèce de message urgent qui, entre guillemets, serait capable de doubler les autres pour dire attention, là il se passe un truc spécial, il y a une décision particulière à prendre. Bon, c'est des usages très particuliers, ça fonctionne pas si bien que ça, mais quand vous étudierez la couche réseau en M1, si vous le faites, c'est les histoires de caractères urgents de TCP. Bon, bref. Donc, on a ces différents paramètres. Voilà. RIBFS, qui est l'ensemble des descripteurs de fichiers sur lesquels vous souhaitez savoir si une lecture est possible. WriteFDS pour, évidemment, les écritures. AcceptFDS pour les conditions exceptionnelles. Pour chacun de ces ensembles, si vous n'êtes intéressé par aucune écriture, par aucune lecture, par aucune condition exceptionnelle, vous pouvez passer nul comme paramètre à select. Vous pouvez passer un ensemble vide, je suis d'accord, mais vous pouvez carrément passer nul, ça marche aussi. Le pointeur nul. Et puis NFDS, c'est quoi? Ouais, ça c'est une des horreurs de select, c'est une erreur historique, mais c'est comme ça. NFDS, c'est censé être le numéro du plus grand descripteur valide de l'un de ces ensembles, plus un. Autrement dit, c'est très simple à décrire, mais je ne vois pas pourquoi on se fatigue à faire des choses pareilles maintenant, mais enfin, c'est comme ça, c'est historique. Alors, on est obligé de garder. Le problème de l'informatique, c'est la compatibilité, c'est le poids de l'histoire, on garde des fois des trucs qui n'ont plus aucun sens, mais c'est comme ça. Donc imaginez que vous vouliez faire une lecture. Donc vous souhaitez savoir si des lectures sont possibles sur le descripteur B1, B2, si des écritures sont possibles sur D3, D1 et D7, enfin et D4, pardon. Voilà. Alors quelle est la valeur de NF,
DS qu'il faut donner, c'est quoi la valeur de NFDS? Ben, NFDS, c'est le max de toutes ces valeurs, plus 1. C'est tout. Tu peux rien, c'est comme ça. Voilà. Et puis, vous avez un dernier paramètre, hein. Vous n'avez peut-être pas... Vous l'avez peut-être entreaperçu, mais j'en ai rien dit jusqu'à présent. Un dernier paramètre à select. Hein, qui est uTimeout. Qui est du type timeval. Et timeval, c'est une structure Unix qui permet de décrire des délais. Hein, vous voulez exprimer un délai. Dire que vous souhaitez, je sais pas quoi, enfin, exprimer une durée ou un délai de 5 secondes, 1 seconde 5. Alors en fait, strict time value, il y a deux champs. Il y a un champ qui contient les secondes et puis un autre champ qui contient, est-ce que c'est les nanosecondes ou les microsecondes. Bon, c'est pas très grave, vous regardez. C'est un couple de valeurs. Ok. Les deux étant des longues. Donc en fait, select, bien sûr, vous pouvez aussi contrôler. C'est plutôt rare de faire ça, c'est pas très conseillé parce que ça commence à être un peu sport, ça machin, mais... pourquoi pas, dans des cas particuliers, on peut avoir besoin de ça. Mais vous voulez contrôler en fait la durée du select. Par défaut, select, c'est bloquant. Hein. Vous faites un appel à select, tant qu'aucune opération ne se produit, bah, vous êtes bloqué dans le select. Bon, mais parfois, vous aimeriez bien juste faire un select pour une certaine durée. Vous faites select pendant 2 secondes, s'il n'y a rien eu pendant 2 secondes, bah vous faites autre chose. Vous allez nettoyer les trucs, vous allez faire un peu le ménage, vous venez faire le select. Donc vous pouvez contrôler en fait la durée pendant laquelle vous allez être bloqué dans le select. Donc si vous mettez nul pour la... ce qui est le cas le plus fréquent, si vous mettez nul comme pour le pointeur timeval, eh bien c'est un appel bloquant à select. Par contre, si vous mettez une time val dont les champs sont tous à zéro, c'est que vous voulez un appel non bloquant. Donc l'appel non bloquant, c'est ce qu'on appelle du polling. Hein. Je ne vais pas parler de ça, mais quand on essaie de savoir si quelque chose est possible et que ça vous dit y a rien, c'est que vous êtes en mode j'interroge. Je veux savoir si ça c'est possible, je veux savoir si ça c'est possible. Ça s'appelle du polling. C'est un mode d'entrée-sortie qui a fonctionné pendant longtemps. Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Ça existe encore, on verra tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il fait en sortie select? Eh bien, il vous renvoie le nombre des descripteurs sur lesquels des opérations sont possibles. Donc, par exemple, vous avez dit, je veux tester sur D1 et D2 en lecture et sur D3, D1 et D4 en écriture. Ok? C'est possible. Et peut-être qu'une lecture est possible sur D2 et une écriture sur D1. Donc, il y a deux opérations possibles. Select vous renvoie deux. Vous dites parmi les 5 opérations que vous m'avez données, il y en a 2 possibles. Donc c'est le retour de select. Ok. Et puis, évidemment, maintenant, il va falloir regarder un peu tous les ensembles que vous avez fournis en paramètres pour aller chercher ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Donc vous n'avez pas d'itérateur comme en Java où c'est facile, on vous retourne un ensemble où il suffit d'itérer. Il faut reprendre tous les ensembles que vous avez pu décrire et puis interroger un à un pour voir si ça marche. Alors, voilà un exemple simple. Hein. Tout n'est pas déclaré ici, mais peu importe, vous imaginez bien quels sont les types. Donc, RDFS, ça c'est un ensemble. Là, j'ai un modèle hein, dans lequel ce que j'essaie de faire, c'est une lecture éventuelle sur un ensemble de un descripteur. Ok, avec select. Donc je me crée un ensemble vide que j'ai appelé RDFS. Donc FD0, ensemble vide. Ensuite, dans cet ensemble, je rajoute FD. Donc j'ai un ensemble réduit à un seul descripteur. Bon, ok, j'aurais pu en ajouter autant que je veux, peu importe. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais faire select. Donc je ne veux pas d'écriture, je ne veux pas de connexion exceptionnelle. Je veux être en mode bloquant. Donc je veux les lectures qui sont spécifiées dans l'ensemble RDFS dans lesquelles il y a un descripteur. Et puis, j'indique ici,
La règle qui est la suivante, c'est qu'NBFS, ça doit être le max de, du plus grand des descripteurs, plus 1. Comme j'ai qu'un seul descripteur, c'est le descripteur lui-même plus 1. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Eh bien après, j'ai une espèce de boucle comme ça, où simplement je vais aller explorer en retour de Select. Qu'est-ce qu'il fait Select? Il m'a modifié mon RDFS, et je n'ai plus là-dedans que les descripteurs sur lesquels des opérations sont possibles. Donc je vais aller regarder là-dedans ce qu'il y a. Bon, qu'est-ce que je fais? Je regarde si, par exemple, dans RDFS, il y a le descripteur FD qui m'intéressait, ou un autre, etc. Donc j'ai une espèce de switch qu'il va falloir tester. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Et puis évidemment, si oui, FD était bien dans l'ensemble, qu'est-ce que je fais? Je fais le machin que j'attendais. Donc comme c'était une lecture, en fait, sur une socket, quand un descripteur de socket est dans un ensemble correspondant à la lecture, les opérations sur lesquelles vous pouvez être libéré, en fait, c'est bien sûr les reads, mais aussi les accepts. Vous avez le droit de faire des accepts en non bloquant. Ok. Bon, il y a un certain nombre de bonnes pratiques, je ne veux pas insister là-dessus, mais c'est pas très grave. Je crois qu'il y a un exemple ici, je vous ai donné un bout d'exemple, vous le récupérerez, et puis vous le testerez, puisque là, le retourne. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Ah, ça c'est une petite fonction toute simple, elle fait rien de particulier. C'est une fonction qui me crée une socket, une socket de serveur, ok, sur un port donné. Donc c'est une fonction qui s'appelle create server socket. Vous lui donnez un numéro de port, ce qu'elle vous renvoie c'est un numéro de socket. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée la socket sur le port donné, en écoute sur n'importe quel IP de la machine possible. Elle fait le bind, le listen. Et puis, elle passe cette socket en mode non bloquant. Ok? Alors, maintenant, la partie intéressante, c'est la partie suivante. Qu'est-ce qu'il fait mon serveur? Vous voyez ce que c'est mon serveur? C'est qu'il se crée deux sockets. Une sur le port 61234, une sur le port 61235. Ou ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Et puis, qu'est-ce que je fais? Ce que je voudrais, c'est accepter les connexions entrantes sur l'un de ces deux ports. Donc je vais fabriquer un ensemble dans lequel je vais mettre les deux sockets en lecture et puis je vais faire un select là-dessus. Et quand je serai débloqué du select, il faudrait que je sache sur lequel de ces deux le accept doit être fait. Ouf! Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence par me fabriquer un ensemble vide, que j'ai appelé accept, dans lequel je mets S1 et S2. Donc maintenant j'ai un ensemble qui s'appelle accept, dans lequel il y a S1 et S2. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un select sur cet ensemble-là. Alors, en fait, je ne l'ai pas fait sur l'ensemble d'origine. Ce que je l'ai fait, c'est sur l'ensemble, sur une copie de l'ensemble. Bon, peu importe, j'ai fait la même copie, mais j'aurais dû passer par FD copie, mais c'est pas grave. Et le premier paramètre, c'est le max de S1 et S2 plus 1. Ça, c'est ma contrainte. Ok? Et puis, je n'attends aucune écriture, je n'attends aucune condition exceptionnelle, je veux être en mode bloquant. Maintenant, si select me renvoie une valeur, donc je suppose que c'est une valeur raisonnable, donc un nombre positif, donc, quand je fais select, il va se mettre en attente, est-ce qu'il y a un accept qui arrive sur S1 ou est-ce qu'il y a un accept qui arrive sur S2? D'ailleurs, deux peuvent arriver quasiment en même temps et me débloquer le select. Donc la réponse normale sur le select, c'est 1 ou 2, la valeur que je vais recevoir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle. Si j'ai 1, je passerai qu'une seule fois dans la boucle. Et si j'ai deux, je passerai deux fois dans la boucle pour faire les deux accepts qui correspondent. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je récupère, justement, je vais regarder dans mon ensemble, si c'est S1 qui est dedans ou pas. Donc, j'ai une petite fonction, en fait, S, je récupère. C'est S1 ou S2. Et puis, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Justement, je fais le accept sur S. S, c'est ou bien S1 ou bien S2. Je fais accept sur S, et là, je sais que ça, c'est pas bloquant. Alors, attention, c'est ambigu quand je dis ça. L'appel à accept est bloquant, mais je sais que je ne serai pas bloqué parce que je sais qu'il y a un accept possible. Une petite subtilité. Ok.
Et puis après, bah, je fais la communication, donc il fait pas grand chose ce machin-là, il renvoie une réponse, je crois. Oui. Il clôt le canal de service en lecture, donc il ne lit pas, il fait juste qu'envoyer une réponse. Voilà. Ok. Alors, il existe un autre mécanisme ? Possible. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose sur la lecture, hein. Sur les reads. Bah, j'ai fait ça sur les accepts, mais ça marche aussi sur les reads, bien sûr, comme en Java aussi. Il existe un autre mécanisme qui est souvent considéré comme un peu plus propre, qui est arrivé plus tardivement, mais en fait qui rend le même service que Select. Alors, vous avez le monde des développeurs Linux qui est coupé en deux. Vous voyez, ceux qui utilisent Select, ceux qui utilisent Paul, et régulièrement, ils se tirent dans les pattes, ils se font des guerres comme les informaticiens savent bien faire. Selon mes humeurs, les jours pairs, j'utilise Select, les jours impairs, Paul, comme ça, c'est... Je passe souvent d'un camp à l'autre. C'est sans intérêt hein, de passer du temps, un temps infini, à savoir si Select et Paul c'est mieux. Franchement, c'est une perte de temps. Essayez d'utiliser les deux. Voilà. Donc, c'est un... bon, peu importe, Paul est un peu plus propre parce qu'il utilise des structures un peu plus propres, mais c'est tout. Hein. Franchement, ça fait la même chose. Et c'est à peine plus riche en fonctionnalités. Voilà comment ça fonctionne. Donc voilà, souvent les défenseurs de la fonction Paul vous expliquent que c'est beaucoup mieux parce qu'il y a moins de paramètres. Donc c'est plus sympa. Je soupçonne les défenseurs de la fonction Paul d'avoir une plus petite mémoire que les autres. C'est une blague. Hein. Bon ben c'est tout. Ce que vous avez en fait c'est exactement la même chose. C'est simplement vous allez regrouper toutes ces structures là, read, write, exceptionnel, le tout dans un tableau. Un peu comme en Java, et vous allez, ce tableau, c'est un tableau de structure, et pour chacun élément, vous allez dire quel est le descripteur, quelle est l'opération. Ah, c'était ça qu'on faisait en Java. Sur quel socket je voulais faire la lecture, sur tel socket je voulais faire l'écriture, sur tel un, et puis vous mettiez ça dans un ensemble, et ça marchait. Bon, ben là, c'est pareil, sauf que vous mettez ça dans un tableau. Et la structure qui correspond, c'est la structure PaulFD, dans laquelle, ben, évidemment, qu'est-ce que vous mettez, le descripteur, les événements qui vous intéressent, sur ce descripteur-là, donc vous pouvez combiner, hein. Sur ce descripteur-là, je veux faire les écritures et les lectures et les machins. Et puis, vous aurez en retour R events, la valeur qui sera possible. C'est-à-dire, si vous voulez sur un descripteur attendre éventuellement une lecture ou une écriture, bah peut-être que c'est la lecture qui est possible. Bah, en retour, vous aurez R events qui vous dira c'est la lecture qui est possible. Alors, quels sont les événements possibles ? Paul in, Paul out, Paul pris, Paul up et Paul ERR. Alors là, les défenseurs de Paul vous expliquent que c'est vachement mieux parce qu'il y a beaucoup plus de contrôle et tout. Sauf que dans 99,999% des cas, vous utilisez quoi ? Paul in, Paul out. Donc ça va. Voilà. Donc tout va bien. Éventuellement le Paul up. Allez. Donc, Paul in, bah, qu'est-ce que vous attendez ? Ça veut dire que vous voulez faire une opération de lecture ou d'écriture sur la socket. Ouais. Lecture ou accept, pardon. Et puis, sur Paul out, c'est l'opération d'écriture éventuellement. Donc, comment ça s'écrit ? Le même code que tout à l'heure. Hein. Je l'écris avec Paul. Donc, j'ai utilisé la même fonction de create server socket, 61234, 61235. Et qu'est-ce que je fais ? Bah, je me suis créé un tableau de deux structures Paul FD dans laquelle je dis sur S1, je veux faire du Paul in, sur S2, je veux faire du Paul in. Et qu'est-ce que je fais ? Comme tout à l'heure, au lieu de faire select, je fais Paul et je dis c'est le tableau de tout ce qu'il y a dans P, c'est de taille 2. Et en plus, je veux pas être bloquant, donc je mets moins 1. Allez. Et puis sinon, la boucle ici, c'est la même. Hein. Combien de fois vous bouclez ? Ben, autant de fois que ready vous a renvoyé de... Autant de fois que la valeur de ready. Et puis simplement, qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Ben, vous parcourez le tableau de vos demandes pour essayer de trouver s'il y en a une qui est satisfaite. C'est tout. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Bah, si un des poll in est possible, eh bien, j'appelle une fonction qui fait le travail, qui va faire le accept et machin. Enfin, ça ne m'intéresse pas ici de faire plus. Alors, il reste un dernier mécanisme, mais celui-là, je ne vous conseille pas d'essayer de mettre de trop regarder de près, mais il est possible effectivement d'utiliser par contre les signaux. Alors ça c'est hautement non portable puisque ça marche en gros que sur certaines versions de Linux. Sur certains noyaux.
C'est en fait de faire du polling, mais cette fois non plus de la façon suivante, mais en utilisant les signaux. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous allez demander, c'est d'écrire, simplement dire, bah, je serais intéressé pour que quand il se produit des certaines choses sur certains descripteurs, je reçoive un signal. Je ne sais pas si vous avez manipulé les signaux au système. Vous n'avez pas manipulé les signaux au système, oubliez ce que j'ai dit. Et vous verrez plus tard. Mais c'est un peu... Là, c'est un peu... Prendre un marteau pour écraser la mouche. Hein. C'est possible, mais les cas dans lesquels c'est utilisé. Et puis, il y a le problème de la portabilité derrière les polling asynchrones. Bon, il y a d'autres mécanismes qui existent aussi. Il y a les entrées-sorties asynchrones. C'est pareil. C'est pas super bien diffusé. C'est pas implémenté pareil partout. Je vais me contenter de ça pour les entrées-sorties, pour les attentes multiples en C. Et on se voit donc la semaine prochaine.